Putain, je suis trop crispé sur les fins, Seb. J'ai failli me violer, quoi. Dès la première sortie. Je pense qu'on l'a pas vu souvent. C'est que ça monte. Ouh. Salut les amis, on est là, on est en place, première sortie du trip de 3 jours à Volonne. On est dans le petit village, là, on commence les premiers coups de pédale. Et là, c'est la prémisse de 3 jours de pure régalade. Allez, c'est parti tout de suite en vidéo. Voilà, quand tu rentres là-dedans, c'est là que tu commences à te dire que tu es en vacances et en trip dans un endroit qui est pas chez toi. On est dans le 04, là, une petite forêt de pins au-dessus de Volonne. Et c'est un régal. Ça commence sur les chapeaux de roue. Du coup, j'ai le fin mot. 19 km le parcours, 900 mètres de dénivelé. Donc, ça va faire mal aux cuisseaux. Franchement, on est avec les copains. Philippe. Il est beau parce qu'il est de dos. Oh là là, il a fait mal ce petit truc là. Si vous voyez un panneau, vous criez surtout, hein, que je loupe pas, qu'on se remonte pas tout ça. Hein. Ouais, ça commence. Le bon VTT commence. Oh, ça glisse. Oh là là. Oh, je regrette pas d'avoir monté là. Je te le dis. Fantastique. Et le mec, il est fou d'avoir pris la DFCI au lieu de descendre par là. Ouh, va y finir dans le barbelé. Ah, la montagne, ça vous gagne. Ah, ouh, tout droit. Ouais, ça devient un peu plus large. Je sais pas si vous voyez. Enfin, je peux pas trop regarder le panorama qui est en face. Non, on est en sous-bois là, c'est dommage. C'est magnifique. On va s'arrêter en bas de ça là. On va essayer de filmer la banane des copains. Ils ont l'air d'avoir la banane. Hein. On est en place. Oh putain, allez, c'est reparti. Putain, je suis trop crispé sur les fins, Seb. J'ai failli me violer, quoi. Dès la première sortie. Y'a rien qui tient là. Ouh. J'arrive pas à les prendre. Garde la vitesse, Seb. Garde la vitesse. Oui. Ouh, putain, marche. Joli. C'est parti pour une belle journée de VTT. Alors, au programme, là, on va se faire un petit tour sur la montagne de Lure, redescendre par un enduro. On a 30 bornes, je sais pas combien de dénivelé, j'ai même pas regardé. Et si on est encore en forme, on redescendra au camping, on se rajoutera une boucle de 20 km et on retournera chercher les voitures après.
Voilà, ça c'est le programme. On verra. Déjà, on va essayer de boucler pour mes parcours. Je vous l'ai dit, il va y avoir que des panoramas sur cette vidéo. Je vous fais partager la beauté du coin. C'est vraiment magnifique. Sur le meilleur, hein, pas sur les trucs. Putain, je suis dégueu. Et on est toujours dans l'ascension. On a fait à peu près 10 km, 400 mètres de dénivelé. Toujours aussi joli. Mais on n'est toujours pas en haut. Il va en rester encore. On était monté dans une merde comme ça. Voilà. Ça monte dur. Ça grimpe. Hein. Ah, mauvais temps pour les gens lourds, on va dire. C'est un euphémisme. Les choses sérieuses arrivent là. Ça que... Les choses sérieuses quoi. Ouais, mais je vais pas vite moi. Je vais commencer tranquille. Je me mets dans... Ouais, mais moi je vais commencer tranquille, je vais finir tranquille. Allez, on est parti. Apparemment, c'est l'enduro. On va voir ça. Mais alors là, on est vraiment dans un chemin type montagne. Là, on y est. Là, tu sais que t'es parti en promenade de la maison. Là. Là, ça n'a plus rien à voir avec mon sentier à nous. Ouh. Petit saut. En plus, il y a du grip pour l'instant. Pas mal. Le problème, c'est qu'on connaît pas. Allez, petite relance. Alors, on devrait en avoir pour 3 km. Si je le fie au GPS, c'est serré. C'est passé. Un peu trop freiné, mais bon, on connaît pas. Ah, ça remonte. Putain, j'ai pas la vitesse qu'il faut. C'est passé. Alors, on l'a déjà fait. Alors, on va ailleurs. Fini la descente et t'as ça sous les yeux, c'est pas bon, je vous avais dit que ça serait une vidéo panorama, bah c'est le cas. Ah putain, regarde moi ce panorama, quand sans déconner la tronche qu'il a. Ah, sorti du village, on en récupère les pistes et on est parti pour la deuxième ascension qui va se dérouler sur 4 km, un peu plus de 4 km. Voilà. Pour l'instant, une sortie sans faute, un régal. On a bien monté, mais on a été récompensé par une belle descente. Et j'espère que de ce côté, ça sera pareil. Les copains sont là, on se régale avec l'ambiance. Enfin bref, un trip VTT de folie. Allez, ça continue à monter. J'ai les jambes du coup. Je suis parti à bon rythme. Paysage doit me griser, je sais pas, mais ça fait du bien d'avoir un petit peu les cuisses par rapport aux dernières sorties là. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ce trip, il me fait moralement vraiment du bien là, de s'aérer un petit peu l'esprit, voir des beaux paysages et les copains. Un combo idéal
Et en ces temps, c'est, ça n'a pas de prix. Enfin voilà, j'espère que vous arrivez vous aussi à partager des moments comme ça. Allez, on continue. On se retrouve en haut. Petite rencontre, on est sur une montée. Le fan club. Allez, ça monte toujours. Ouh. Impeccable. Pour l'instant, ça suit. Un peu essoufflé quand même. Mais les panoramas effacent tout ça. Ah, je sais pas, non, ouais, c'est normal. Ah ouais? Ouais. On a fait que 700. Ouais. Moi j'ai encore démonté. J'ai encore démonté, moi ouais. J'ai rien. Ouais, deux petits coups de cul là. Un, trois. Bon, là ça descend sur une piste un petit peu large, un petit peu dommage, mais par contre, putain, c'est beau. Oh, c'est fantastique. Ouh. C'est magique. Ah, je vous laisse en vidéo tellement c'est beau. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Attends, regarde. Le coin-coin qui vous emmène au sommet. Bon, mais ça redescend un peu là. Ça devient beaucoup plus intéressant. J'ai pas mis les genouillères, je les avais remis dans le sac, tant pis. C'est beau. Putain, après j'ai oublié de prendre les rechanges pendant la bagnole. Ça va être bon. C'est un petit peu glissant du coup. Ah ouais, c'est bon. Allez, on prend plus. Oh, j'aime pas quand c'est comme ça. Cochonné. J'en ai foutu de partout. C'est con, on s'en fout de partout là. Ouais, hein. On se fait chier quand même hein, ici. Ouais. Franchement, un trip de merde. Faut ça monte, les descentes elles sont pourries, les paysages ils sont pas beaux. C'est ouais, vraiment ouais. Merdique. Franchement, j'aurais dû rester à la maison. On est tout pourri du coup. Voilà, c'est déconné. Allez, c'est reparti. C'est mon tour. Oh putain, c'est encore pourri là. De toute façon, on est dégueu maintenant. C'est bon. Pas de couilles, on y va. Attends, ça va où là? Là. Attends, on fait là. Un petit moment de déconcentration là. J'ai failli me mettre au tas. Ouh. Ah ouais. Là ça aurait nécessité les genouillères. J'espère que la racine elle glisse pas. Allez c'est bon. Oh con la racine. Ouais, ouais, c'est bon. J'avais peur des racines en fait.
Nickel. Un peu grand, mais bien. Saut. Oh putain, Dudu. Tchou, tchou, tchou. Bouge pas. Hop. Bien sûr que ça passe. Même avec des petits sauts. Ah, Seb, il se lâche là. Il est fou ce Seb. Bon, là, j'ai pas levé. J'ai fait la merde. Aïe. J'ai mal à lever l'avant. J'ai envie, mais j'ai du mal. C'est reparti, ça descend. Enfin, je sais pas. Oh, c'était bon, hein. Ce morceau de descente, il était... Ah ! Oh ! Ah ! C'est passé. Oui, je disais, ce morceau de descente était vraiment, vraiment top. Bon, je la sens pas bien, là. Ouf ! Ah ! Un pied ! Niqué. Ah. Oh merde, c'est pas là. Elle est pas froide. Mais j'ai les pieds fragiles. Et du coup, avec un petit pied trempé, on est reparti. Petite ascension de 3 km qui devrait nous redescendre après. Oh, voiture pour la fin du premier petit tour. Et puis normalement, cet après-midi, ben, on en fait un deuxième. Enfin, cet après-midi, il est déjà 13h, hein, il est pas loin de 13h quand même. Hein. Oh, les descentes. Elles sont vraiment au top, les amis. Bon, un peu nordiste quand même, les descentes. Ah, voilà. Là, on commence à rentrer comme à la maison. Dans le vif du sujet. Et là, ça devient bon, là. Apparemment. On doit être dessus. Attends. Ça doit être ça. Ouais, si on repart à gauche, c'est ça. On doit être bon là. C'est reparti pour la montée. Oh, deuxième petite partie, elle est bien rigolote, hein, en tout cas. Ah non, c'est cadeau, Fred qui pousse le vélo. Je pense qu'on l'a pas vu souvent. C'est que ça monte. Toujours pas de descente, mais encore un beau panorama. Est-ce que je vous ai dit que ça montait encore? Je sais pas, ça monte tout le temps. Fait que monter, que monter, que monter, mais on n'a pas encore touché les nuages. C'est un mauvais signe. Oh là là. J'avais annoncé qu'il y aurait plus de panorama qu'autre chose. C'est le cas. Et David Doumé,
comment David? C'est pas top de monter à pied? C'est le top. Ah bon, ça va. Là, j'ai les chaussures qui accrochent mal, bon. C'est... Et enfin, de la descente. Ouah. Enfin, putain, elle est méritée celle-là. Franchement, celle-là, on y a droit. Je sais pas si ça va descendre longtemps, mais... Oh là. Franchement, c'est quand même un beau parcours. Et je sais pas ce que j'ai, si c'est l'euphorie d'être avec les copains en trip ou quoi, mais franchement, en plus physiquement, ça va. Alors c'est d'autant plus appréciable. Pour l'instant, on est sur le parcours, toujours. Je fais tout, je descends, je regarde le GPS. Alors là, par là. Parti pour un petit peu. Ils sont là, les copains. Coucou. Ouais, mais pour se chauffer, c'est pas top. Hein. Ouh là, on sent les résidus des deux premiers jours là, et des 60 km d'hier. Mais ça va pour l'instant. Petit single bien sympa là. Ah, ça descendait. On n'est pas bien là, franchement. Ah putain, c'est top. Pas beau, les amis? Et ce petit single là, il est magique. Bon, le GPS, il a mal calculé, il m'a mis en sens inverse. Normalement, on devrait le faire dans l'autre sens. Donc, on va continuer comme ça. Parce qu'on s'est perdu avec les collègues aussi. Donc, eux, ils ont dû le faire peut-être dans le bon sens. Je sais pas. Comme on n'a pas eu le temps de regarder, tout le monde est parti dans son coin. Ben, ça a foiré. Donc, normalement, s'ils ont retrouvé la bonne trace, eux, on devrait se retrouver à mi-chemin. On analyse un peu parce que tout à l'heure il va falloir tout remonter ça. Oh ah, là, 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 là. C'est superbe. Allez, on essaie de vivre un peu avec le vélo. Ne pas se laisser balader par les rochers. On appuie bien sur les pédales pour tanker la roue arrière. On y reste un petit peu l'avant. Et on est pas mal. Gauche. Allez, encore un petit panorama. Tiens les gars, regardez comme on est beau. Allez, on a récupéré les copains, du coup ben on redescend en sens inverse. Feu. Allez go. Voilà. Ça va être mieux dans ce sens là hein. Un peu plus près. Hop là, gagné. Allez, go, go, go! Allez, ça va être que du bon. On va essayer de vous prendre un peu de vitesse, histoire. Ne vous emmerdez pas, hein. Allez. Ouh! Par contre, ça glissouille. Hein. Ça glissouille un pouille. Allez, je vais vous passer les lésions dégueu. On se retrouve dans 2 minutes. Mmh.
ça fait du bien de se descendre un peu après toute cette montée. Ah, il y en a Fredo la fripouille. Devant aux commandes, il nous ouvre la trace. Oh, il y a du flow là, c'est fantastique. Oh putain, Fred. Ouais, c'est pas belle ça, la descente, les amis. Oh, ça fait du bien. Ah, et c'est fini. Allez, là, c'est parti. Là. C'est celle qu'on a descendue tout à l'heure qui avait. Je me suis régalé. Là, du coup, on se la refait en montée. Pas le choix. Et ouais, toujours dans le dur. Ça monte encore. Et c'est pas fini. Je crois qu'on aura fait que ça, cette sortie. Monte, monte, monte. Ça commence à tomber. Les petites gouttes. Allez, ça redescend un petit peu. Oh non, ça redescend pas. Bon ben, continue à remonter un petit peu là. Allez, une petite pause casse-croûte bien méritée avant d'attaquer là. L'ascension. Encore celle-là, elle va piquer. Toujours en monotrace, c'est un régal. Allez, j'ai fait la feignasse coupée par un petit morceau de DFC. Il a le dernier tronçon de truc de single. On l'a fait tout à l'heure en descente, je me sentais pas, enfin, j'avais pas envie de m'emmerder à le remonter, c'était tout bouleux. Voilà, alors du coup je coupe un peu par là. Ah oui, je suis vilaine, je sais. Bon, ben la pluie commence à s'inviter parmi nous, du coup ben, on a la flemme avec tout ce qu'on a dans les pattes et machin. Je vais louper la dernière descente en enduro, mais on se rentre. Hop là, pour finir la sortie en beauté. Hop. Un petit draillon sympathique. Hop. Bon les amis, j'ai choisi ce coin là pour vous dire au revoir. Du coup, on a coupé un petit peu la sortie là. On aurait pu la faire, hein, franchement, il tombe de gouttes, hein, mais la flemme. Donc du coup, on va se rentrer et on a fini ce trip de 3 jours quand même avec un dernier joli petit parcours. Bonjour. Voilà, allez, moi je vous dis, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.